justifiée. L'absence est de l'administration déconcentrée et de l'administration décentralisée. Je ne peux pas le comprendre. Nous connaissons tous l'administration. J'ai dirigé l'administration de ce pays. Aucune occupation ne doit justifier l'absence de l'administration à une cérémonie de ce type. Mais cela est illustratif de la situation du pays. Malheureusement, c'est que nous avons l'habitude d'oublier l'essentiel pour l'accessoire. Le directeur de l'école vient de dire tout à l'heure que cette école a 317 élèves en 7e année, pour une seule course. Près de 200 élèves en 9e, en 8e année pour une seule classe, et près de 200 élèves en 9e année pour une seule classe. Quand on construit une classe supplémentaire pour cette école, je pense que les premiers concernés, dont c'est la responsabilité, construire une salle de classe, c'est d'abord la responsabilité de la mairie, devrait être ici, au premier rang, en train d'applaudir cet événement. Mais c'est comme ça, on va faire avec et on va avancer. Monsieur le directeur, monsieur le président de l'ACED, qui a fait un discours remarquable, un discours citoyen, un discours de responsable pour les jeunes. Messieurs les responsables des partis politiques ici présents, messieurs les responsables, mesdames et messieurs les responsables de la société civile, parents d'élèves, CGS, conseillers de quartier, mesdames et messieurs les responsables du parti LMA, vous qui êtes à Sikasso, vous qui êtes à Koutala, vous qui venez de Bamako, mesdames et messieurs élèves, membres de la SET, en vos rangs et qualités, c'est un agréable devoir que d'être là aujourd'hui pour participer à cette cérémonie de pose de première pierre afin de réaliser une salle de classe pour cette école au bénéfice de ce quartier, aussi de la ville et du pays, pour permettre à nos enfants d'espérer étudier dans de bonnes conditions. Je dis espérer étudier parce que quand on est 300 pour une salle de classe, je me demande ce que c'est d'étudier dans ces conditions. Je voudrais sincèrement et d'abord dans un premier temps féliciter et remercier la SED